Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais remettre au goût du jour un tuto pour réaliser un cadre tendu sur toile à partir d'une photo. Alors, d'abord, on va glisser notre photo. Ici, on voit que le nom de la photo est en gras, donc je vais tout simplement lui ajouter un canal alpha. Donc, clic gauche, ajouter un canal alpha. Tout ça, vous le connaissez déjà. Ensuite, on va afficher les règles. Chez moi, elles sont affichées, mais si ce n'est pas le cas chez vous, vous allez dans Affichage. Et afficher les règles. Vous voyez ici, ils ont disparu. Donc affichage, afficher les règles et on coche. Deuxième chose, on va aller dans édition, préférences et on va rajouter un raccourci. Pour cela, allez, on va aller dans interface, configurer les raccourcis clavier. Dans les raccourcis clavier, vous allez chercher édition, pardon. Et dans édition, on va chercher depuis le presse-papier, nouveau calque. Ici, vous double-cliquez. Moi, j'ai mis un W parce qu'il n'était pas utilisé. Voilà. Une fois que le W est saisi, il y a juste à faire entrer. On a notre nouveau raccourci. On ferme et on valide. Alors, c'est quoi ce raccourci? Eh bien, c'est-à-dire que vous allez voir tout de suite en image. Alors, on va placer des règles. Donc, pour ça, je vais faire un clic gauche et maintenir enfoncé. Et disposer une règle en haut. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc, clic gauche, je maintiens enfoncé, la règle se déplace et je le lâche à peu près au même endroit. Et je lâche donc le bouton gauche de ma souris. Si on veut déplacer les règles parce qu'on ne les a pas mis au bon endroit, vous avez toujours la possibilité avec l'outil de déplacement de cliquer sur les règles et de les déplacer de nouveau. Alors, on va faire quoi? On va découper cette image en 4, puisque les règles divisent cette image en 4. 1, 2, 3, 4. Pour ça, Gimp a un outil formidable qu'on va trouver dans Images, Transformer, Massico. Il va nous découper ça en 4 images. 1, 2, 3, 4. Cette image-ci, c'est l'image du coin en haut. Vu qu'on va plier, on n'en aura pas besoin. On peut tout de suite fermer et abandonner les modifications de ce coin. On va revenir sur l'image initiale. On va aller dans Affichage. Pardon, on va aller dans Images. Échelle et taille de l'image. On va l'agrandir un peu. Donc pour ça, on va cliquer ici en haut. Appuyer sur Étoile pour multiplier. Et on va mettre 1,5. On va l'agrandir donc de 50%. On clique ici sur ce petit cadenas de façon à qu'il soit clippé pour garder nos motésies. On fait échelle. Et voilà notre image une fois 1,5 fois plus grande. Nous n'avons plus besoin des règles. Il suffit de cliquer dessus et de les ramener en les lâchant sur les règles en haut pour qu'elles disparaissent. Maintenant, ici, je vais lui appliquer un flou gaussien. En filtre, flou. Pardon, voilà, flou gaussien. Je n'avais pas coché au bon endroit. Je lui mets un flou gaussien de 20, en haut et en bas. Je valide. Et je vais aller dans couleur, désaturer. On prend, alors là vous choisissez ce que vous voulez, hein. De toute façon, ça importe peu. Et maintenant, on va commencer à construire notre cadre. Pour ça, je vais aller dans mon premier découpage. Je clique dessus. Alors, vous allez voir, ici, il faut faire édition, copier ou contrôle C. Moi, je vais faire contrôle C, donc. Donc ici, contrôle C. Ou édition, copier. Je viens là et j'appuie sur mon fameux W. Vous voyez, hop, il est mis. C'est le haut. Je vais faire ici la même chose, édition, alors là je vais le faire à l'ancienne, édition, copier, édition, coller comme, nouveau calque, et voyez notre petit W qui apparaît. Donc ici maintenant, on va le faire avec les raccourcis, CTRL C et W. Et voilà. J'utilise maintenant l'outil de déplacement, ici, pour placer mes calques
un peu à ma guise. Première chose, on va à peu près les aligner. Voilà, on les colle pas trop, de façon à pouvoir avoir ici une espèce de pli qui sera visible. Alors pas trop, mais pas trop peu non plus. Voilà. Je vais commencer par faire un cisaillement sur celui-ci. Donc l'outil de cisaillement. Je clique dessus et je cisaille. Voilà. Hop. Ici, je remarque moins 144. Je vais déplacer de façon à l'avoir ici à l'angle. Voilà. Maintenant, autour de l'autre. Cisaillement. Et là, si on n'est pas mauvais, on va prendre 144. Alors ça va être le complément, mais en fait, on s'en moque un petit peu. Voilà, je vais faire cisailler comme ça. Vous allez voir, il y a moyen de rattraper le coup. Voilà, grosso modo, voilà. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de regarder à l'autre bout si on est bon. Alors, vous voyez ici, on est. Voilà. Là, par contre, c'est important, il faut s'aligner ici pour avoir la bonne impression. On va aller vers le bas. On va vérifier la même chose. Là, on est bon. Ok. Alors, si on regarde ça comme ça, on a l'impression que le panneau central est un peu tordu. Alors, pour cela, on va utiliser l'outil de mise en perspective. Et on va légèrement le remonter. Alors, pour voir ce que ça donne, vous déclipez ici. Voilà, pour vous donner un petit peu l'aspect. Voilà. Donc, il faut que ça soit, comment dirais-je, faut qu'au niveau de l'œil, vous ayez un ressenti de 3D. Donc, vous voyez, moi, je l'avance un peu visuellement pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est à vous de voir ce que tel que vous le ressentez. Voilà, moi je le transforme. Alors, on ne voit rien parce qu'il faut remettre maintenant la visualisation de la chose. On va maintenant s'occuper ici de ce panneau-là. Alors, ce panneau-là, on va tout simplement ici prendre un masque de calque. Donc, clic droit. Ajouter un masque de calque. C'est toujours plus simple de travailler sur un masque parce que s'il y a une erreur, eh bien on peut revenir en arrière. Donc je fais ajouter. Et je vais me mettre ici en noir devant, de façon à faire disparaître ce qu'il y a derrière. Donc je prends un pinceau, je prends une scie, une brosse. Pardon. Si elle veut bien. Voilà, je prends une brosse nette. Je prends une taille relativement grande. Voilà. Je m'aligne en haut. Je fais contrôle. Zut. Pardon, je me mets en haut. Shift. Je me mets en bas. En appuyant sur contrôle maintenant. Donc Shift plus contrôle enfoncé. Je descends suffisamment bas. Voilà. Ici, ça me fait un trait perpendiculaire. C'est-à-dire que le Shift me permet de faire un trait linéaire et la touche contrôle, un trait perpendiculaire qui va se décaler de 15 degrés en 15 degrés. Ici, je vais faire disparaître le fond. On voit un petit peu le décalage qu'il y a. Donc là, on va juste le remonter un petit peu. C'est pas bien. Il faut que je clique ici. Là, j'avais pas mon cadre blanc. Donc ce que j'ai déplacé, c'était le masque de calque. Voilà. Je vais le serrer un petit peu. Voilà. Pas trop. Voilà, c'est correct ici. Alors maintenant, on va ajouter. Ouais, je vais cliquer sur la dernière image et je vais ajouter un nouveau calque transparent. Je valide. Donc le calque ici s'est interposé juste avant mon dernier calque. Je vais prendre l'outil pinceau, la couleur blanche, donc je fais X pour inverser, et je vais tout simplement peindre ici pour avoir des bords nets. Vous voyez, hop. C'est-à-dire que ce que je peins, c'est le calque du dessous, mais
Donc ici, je vais réduire la taille de mon pinceau pour aller au bout sans déborder. Voilà. Là, je vais aller au bout. Et là, je vais prendre la gomme. Et voilà, ici. Voilà, donc ici, je finis de gommer en haut. Une petite erreur, voilà. Je suis à peu près satisfait. J'affiche en bas pour voir si c'est pas trop mal. Ça m'a l'air pas mal ici. La disproportion fait qu'on a l'impression que c'est tourné. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors il me reste plus qu'à maintenant aplatir. Donc au lieu d'aplatir ici, je vais faire fusionner vers le bas. C'est important. Voilà, il nous reste donc le fond et la partie avant. Celle-ci, je vais la dupliquer. Je me mets sur le calque du dessous, je fais disparaître celui du dessus. Je vais faire une sélection par couleur. Donc je sélectionne ici le transparent, le canal alpha. On va aller dans édition inversée. Sélection, pardon, sélection inversée, contrôle I. À force de le faire en raccourci clavier, j'ai du mal à me souvenir des endroits. Alors ici, on va utiliser l'outil de remplissage. Et l'outil de remplissage, ici, donc on va remplir avec la couleur d'arrière-plan, qui est le noir ici, parce que là nous sommes en noir sur l'arrière-plan. Et on va remplir toute la sélection. Donc on coche ici remplir toute la sélection. C'est parti, on a ça. Maintenant je fais sélection aucune. On va aller dans filtre. On va dans flou. Flou gaussien. Et ici, bon là il y a 20, je laissais 20, je fais OK. On affiche ici derrière. Donc là maintenant mon flou fait que on a ici un bord qui se détache un peu. On va recliquer ici sur le premier calque, on a l'image. On va appliquer un filtre artistique et on va mettre tisser ou tresser comme vous voulez. Ouais, moi je vais mettre tisser. Donc moi je laisse comme ça par défaut, hein, je lance. Et voilà. Voilà, le filtre a été appliqué. On remarque tout de suite que ça s'est assombri. Alors pour ça, on peut toujours aller dans les couleurs, niveau, et on va changer ici un petit peu le niveau dans les couleurs. Alors, vous n'êtes pas obligé de tresser, vous pouvez maintenir tout simplement votre image. Bon, j'ai annulé finalement, j'allais dans luminosité et contraste. Je pense qu'on va le faire comme ça. Et j'augmente le contraste avec la luminosité. Et voilà. Je valide. Mais vous n'êtes pas obligé de tresser, hein. Là, c'est parce que moi je veux vraiment lui donner un effet de toile, mais c'est pas une obligation en soi. Et voilà. Notre image est maintenant terminée. Ici, ces calques-là, on n'en a plus besoin. On peut fermer en abandonnant les modifications. Et celle-ci, il ne reste plus qu'à l'enregistrer et à l'exporter dans votre format préféré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter. Et ça serait sympa, c'est d'aller sur ma page G+, et de venir partager vos réalisations, les réalisations que vous avez faites à l'aide de ce tuto ou d'autres tutos que j'ai pu vous proposer. Merci, au revoir, à bientôt. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire, s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.